Allez, bonjour à tous, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Moi j'ai fait une sieste, j'ai fait une sieste incroyable, incroyable, un homme en forme et un homme reposé. Je dis bonjour à Cassandra, Cassandra est avec nous, bonjour Cassandra, Luciana est là aussi, qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, Stardust est là, tiens bonjour Stardust, ça fait longtemps, ça fait plaisir, Stardust, regardez, je vous dis bonjour. Victoria Possé est là aussi, J. Vincent est là, Clara bonjour, Cosmina est avec nous, Monica est là aussi, Annabelle, coucou, comment ça va Annabelle? Et Annabelle, nous savons que c'est Annabelle qui a baptisé ce petit personnage, merci encore Annabelle, c'est très gentil. Pauline pardon, est avec nous, Sally est là aussi, Lonely Wolf est là, Omar, bonjour, Alba est avec nous, Cassandra est là, Hilary, Mac, bonjour, Victoria Jacques, coucou, comment ça va, Riena est là, Marcus, bonjour Marcus, ou Marcus, pardon, Lynn est là aussi, Cheryline, combien ça va, Cheryline, combien de temps? Comment ça, combien de temps? Ah, pour la sieste! Chérie-Line, hier, j'ai fait du vélo. Et hier, j'avais fait à peu près 20 km à vélo. C'était vraiment sympathique. Et Saloni est là aussi, bonjour. Eh bien, bonjour à tout le monde. Voilà, la licorne est là, bien sûr, pour vous saluer. Et puis, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, aujourd'hui. Nous allons travailler avec Audrey Hepburn. Ça va être assez intéressant, je pense. On y va. Alors, c'est donc la personne du jour. Et la personne du jour, eh bien, c'est Audrey Hepburn. Ou les Français diraient Audrey Hepburn. Voilà. Et on attaque, comme d'habitude, eh bien, avec plusieurs choses concernant Audrey Hepburn. Attendez, comme d'habitude, je dois juste mettre ça correctement. Et nous pouvons commencer. Voilà. Alors, Audrey Hepburn, nom de scène d'Audrey Ruston, est une actrice britannique née le 4 mai 1929 dans la banlieue de Bruxelles, Belgique, et morte le 20 janvier 1993 à Tolochenaz, en Suisse. Audrey Hepburn, nom de scène d'Audrey Ruston, est une actrice britannique née le 4 mai 1929 dans la banlieue de Bruxelles, Belgique, et morte le 20 janvier 1993 à Tolochenaz, en Suisse. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Julien qui me demande où est-ce que j'ai fait du vélo. Eh bien, j'ai fait du vélo pour aller, d'abord à ma banque et puis pour aller ensuite trouver un café qui était au bord de la mer. Thank you.
Allez, on attaque les choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est scène. Souvenez-vous que scène est un substantif, c'est un mot féminin. Donc c'est la scène, une scène. On l'écrit S-C-E, accent grave, N-E. Ensuite, c'est britannique. Britannique est un adjectif ici, donc tout en minuscule, B-R-I-T-A-N-N-I-Q-U-E, britannique. Ensuite, c'était l'année 1929, 1929. Ensuite, banlieue, banlieue, féminin, donc une banlieue, la banlieue, B-A-N-L-I-E-U-E. Et finalement, une année, 1993, 1993. Audrey Hepburn, nom de scène d'Audrey Ruston, est une actrice britannique née le 4 mai 1929 dans la banlieue de Bruxelles, Belgique, et morte le 20 janvier 1993 à Tolochenaz, Suisse. On continue, numéro 2. Numéro 2, une seconde, et voici. Alors qu'elle se destinait initialement à la danse, avant de rejoindre le théâtre à la fin des années 1940, le succès de la pièce Gigi, 1951, à Broadway, lui ouvre les portes du cinéma. Alors qu'elle se destinait initialement à la danse, avant de rejoindre le théâtre à la fin des années 1940, le succès de la pièce Gigi, 1951, à Broadway, lui ouvre les portes du cinéma. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Desarlika qui nous rejoint. Bonjour, bonjour, Desarlika. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, Andro Leguina nous rejoint. Bonjour Andro, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Allez, regardons ensemble les mots qui manquaient, si vous voulez bien. La première chose, c'est le verbe « se destiner ». Verbe réfléchi, verbe du premier groupe, et ici, on utilise eh bien, l'imparfait « elle se destinait ». « Elle se destinait », D-E-S-T-I-N-A-I-T. Ensuite, le substantif « danse hein, », souvenez-vous, féminin en France, en français, « une danse » ou « la danse », D-A-N-S-E. Le verbe « rejoindre » à l'infinitif, hein, R-E-J-O-I-N-D-R-E. Succès, substantif masculin, un succès, le succès, S-U-C-C-E, accent grave, S. Et finalement, c'est le verbe ouvrir, ouvrir au présent. Attention, ouvrir, c'est un verbe en IR, mais ça n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Et donc, la conjugaison ici, vous voyez, ouvre, O-U-V-R-E. Alors qu'elle se destinait initialement à la danse, avant de rejoindre le théâtre, à la fin des années 1940, le succès de la pièce Gigi, 1951, à Broadway, lui ouvre les portes du cinéma. On continue avec le numéro 3. Numéro 3 concernant Audrey Hepburn. En 1954, à seulement 24 ans, elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans « Vacances romaines »,
1953 de William Wyler. En 1954, à seulement 24 ans, elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Vacances romaines, 1953, de William Wyler. Écrivez les mots qui manquent. Alors, Sneha Mirpuri nous rejoint. Bonjour, bonjour Sneha, comment ça va? Alors, je regarde les choses qui arrivent, effectivement, avec mes assistants. J'ai beaucoup d'assistants maintenant. Il y a des choses qui vont se passer. Alberto qui nous rejoint. Bonjour Alberto, comment ça va? Alors, regardons ensemble les choses qui manquaient. La première chose, c'était une année et c'était 1954. 1954, 1, 9, 5 et 4. Ensuite, c'est le verbe recevoir. Verbe du troisième groupe. Attention, recevoir, vous le conjuguez au présent et vous le conjuguez ici à la troisième personne du singulier. Elle reçoit. R-E-C-C-D-I-O-I-T. Ensuite, c'est interprétation. Interprétation féminin, c'est clair. Une interprétation. I-N-T-E-R-P-R-E, accent aigu. T-A-T-I-O-N. Et finalement, c'est romaine. Romaine ici, c'est l'adjectif. Ça veut dire que l'adjectif doit être au féminin pluriel parce que vacances, c'est un mot féminin pluriel. Romaine, R-O-M-A-I-N-E-S. En 1954, à seulement 24 ans, elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Vacances romaines, 1953, de William Wyler. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, on y va. À 4 autres reprises, elle est nommée aux Oscars, notamment pour le film Diamant sur canapé, 1961, de Blake Edwards. À 4 autres reprises, elle est nommée aux Oscars, notamment pour le film Diamant sur canapé, 1961, de Blake Edwards. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde les choses qui arrivent. Et oui, c'est très très bien. Félicitations. Autre doit être bien sûr ici au pluriel, puisque vous voyez que, eh bien, reprise est au pluriel, c'est 4. Hein. Donc, autre, A,
U-T-R-E-S. Hein. On n'oublie pas le S parce que c'est le pluriel. Nommé doit être au féminin ici, hein, puisque c'est elle le sujet. Elle est nommée. N-O-M-M-E, accent aigu. On marque le féminin. Notamment, on l'a déjà vu, normalement, vous êtes des spécialistes, et oui, pas de problème, N-O-T-A-M-M-E-N-T. Et finalement, c'est canapé. Canapé, c'est masculin, un canapé, le canapé, et on écrit C-A-N-A-P-E, accent aigu. À quatre autres reprises, elle est nommée aux Oscars, notamment pour le film Diamant sur canapé, 1961, de Blake Edwards. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5. En 1967, elle met fin à sa carrière d'actrice pour se consacrer à l'aide humanitaire à l'enfance. En 1967, elle met fin à sa carrière d'actrice pour se consacrer à l'aide humanitaire à l'enfance. Allez-y, s'il vous plaît. Je regarde, et oui, on commence ensemble. Allez, c'est parti, 1967, eh bien c'était l'année 1967, 1967. Carrière, c'est un mot qui est féminin, une carrière, la carrière, et on l'écrit C-A-R-R-I-E, accent grave, R-E. Ensuite, c'est un verbe, et le verbe, c'est se consacrer. Se consacrer, eh bien, consacrer ici, vous l'écrivez C-O-N-S-A-C-R-E-R. Très bien. Quelqu'un qui nous rejoint. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous découvrons aujourd'hui Audrey Hepburn. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est enfance. Enfance, c'est un substantif, c'est féminin. Une enfance. E-N-F-A. N-C-E. En 1967, elle met fin à sa carrière d'actrice pour se consacrer à l'aide humanitaire à l'enfance. Allez, chez numéro 6. Numéro 6, on y va. Elle multiplie les voyages en Afrique et en Amérique latine pour l'UNICEF, dont elle devient ambassadrice en 1988. Elle multiplie les voyages en Afrique et en Amérique latine pour l'UNICEF, dont elle devient ambassadrice en 1988. Allez-y, s'il vous plaît. Thank you.
Allez, on regarde ensemble les choses qui manquaient. La première chose, c'est un verbe. C'est un verbe, effectivement, qui est du premier groupe. Yessero nous rejoint. Bonjour Yessero, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien dormi. Alors, le verbe, c'est multiplier. Multiplier, eh bien, verbe du premier groupe, vous le conjuguez au présent. Troisième personne du singulier, elle multiplie. M-U-L-T-I-P-L-I-E. Elle multiplie. Ensuite, c'est latine. Attention, c'est un adjectif. Ça doit être au féminin parce que Amérique, c'est féminin. Et donc, latine, vous l'écrivez L-A-T-I-N-E. Latine. Je vois qu'effectivement, qui est-ce qu'il y a ? Romane ! Romane nous rejoint. Bonjour Romane, comment ça va ? J'espère que vous allez très bien, Romane. Ambassadrice, ambassadrice, c'est le féminin d'ambassadeur, d'accord ? Et donc, A-M-B-A-S-S-A-D-R-I-C-E, une ambassadrice. Et finalement, c'est une année, c'est 1980. 8. 1, 9, 8, 8, 1988. Elle multiplie les voyages en Afrique et en Amérique latine pour l'UNICEF, dont elle devient ambassadrice en 1988. Allez, numéro 7. Une petite seconde, voici. Audrey Hepburn est considérée comme l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960. Elle incarne un nouveau glamour plus raffiné. Audrey Hepburn est considérée comme l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960, elle incarne un nouveau glamour plus raffiné. Allez-y. Alors, Zaino nous rejoint. Bonjour Zaino, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Ça, c'est important comme question. Allez, on regarde ensemble. Eh bien, voici la première chose considérée. Bien sûr, ça doit être au féminin. Encore une fois, donc, puisque Audrey est une femme et donc est considérée, vous allez l'écrire C-O-N-S-I-D-E accent aigu, R-E accent aigu, E. Grande, féminin, pluriel, hein, G-R-A-N-D-E-S, grande. 1960, eh ben c'est la date, 1960. Le verbe ensuite, c'est le verbe incarner, verbe régulier du premier groupe, c'est du présent, troisième personne du singulier, elle incarne, I-N-C-A-R-N-E. Et finalement, raffiné, qui lui est connecté à glamour. Glamour, c'est masculin, donc raffiné doit être au masculin. R-A-F-F-I-N-E, accent aigu. Audrey Hepburn est considérée comme l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960. Elle incarne un nouveau glamour plus raffiné. Merci.
Alors, je vois que Célestéa nous rejoint. Bonjour, bonjour Célestéa, comment ça va? Allez, on y va, la personne du jour, c'est bien entendu Audrey Hepburn. Et maintenant, nous allons, eh bien, comme d'habitude, travailler sur une interview qu'elle a faite. En fait, j'ai fait une compilation de deux interviews, mais là, c'est la première. Et donc, on va essayer, eh bien, d'écouter et de voir comment elle prononce et ce qu'elle dit. Alors, je vous donne la première partie. La première partie, c'est « À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison. » Très bien. Et je vois que Rice Cassidy nous rejoint. Bonjour, bonjour Rice, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Ça, c'est important. Allez, on y va. Attention, je vais faire tourner plusieurs fois. Allez. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Allez-y. Alors, regardons ensemble les choses que nous cherchions. Hein. C'était avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Je regarde ce que vous écrivez et bien sûr, j'ai mon assistante. Hein. Mon assistante Gigi la girafe qui regarde également avec moi. Qu'est-ce qu'elle me dit, Gigi? Elle me dit que c'est très très bien, n'est-ce pas? Eh oui, regardez-la, elle est contente. Elle est très très contente, vous avez très bien écrit. Donc, avec ma mère, parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Écoutons maintenant eh bien, sa prononciation. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Alors là, c'est très, très bien prononcé. C'est la particularité. Avec Audrey Hepburn, elle prononce le français vraiment, vraiment très, très bien. Donc, écoutons encore une fois, parce qu'il n'y a pas grand, grand chose à dire. Hein. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Et c'est vraiment très très bien prononcé, vous pouvez vraiment bien entendre tous les mots, donc je vous invite juste à l'écouter encore une fois. À l'époque, tout de suite après la guerre, j'ai changé de maison avec ma mère parce que je pouvais aller étudier la danse à Amsterdam. Voilà, effectivement. Allez, on continue avec le numéro
2. Le numéro 2, et là, je vous demande, s'il vous plaît, de me donner la totalité. Écoutez bien. Alors, tiens, Denzel nous rejoint. Bonjour Denzel, comment allez-vous, Denzel? Nous espérons que vous allez très, très bien. Alors, Julia, qu'est-ce qu'il y a? Gigi est contente, elle a bien dormi. Eh ben oui, Gigi est une girafe qui est très contente. Elle est toujours contente. J'ai vécu dans une maison. Allez-y. Alors, Grace nous rejoint. Bonjour, bonjour, Grace. Comment ça va? Oui. Alors là, effectivement, hein, même chose. Et là, c'est mon assistant qui regarde avec moi les choses que vous écrivez. Il est là, des assistants qui sont très joyeux aujourd'hui. Regardons ensemble. Le verbe, c'est vivre. Hein. Le verbe, c'est vivre au passé composé. J'ai vécu. Souvenez-vous, hein, le participe passé de vivre, c'est vécu. J'ai vécu dans une maison. Et j'ai vécu dans une maison. Je pense que c'était aussi très, très, très clair. Donc, on y va, on écoute. Et c'est vrai que, je ne sais pas, c'est Célestéa qui dit « très agréable ». Effectivement, elle est très, très agréable à écouter. C'est vraiment un plaisir. Écoutez bien. J'ai vécu dans une maison. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très clair. Hein. Et j'ai vécu dans une maison. Rien à dire, vraiment rien à dire. C'est parfait. Numéro 3, je vous donne le début. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Écoutez et écrivez, s'il vous plaît. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Allez-y. Alors, Juan nous rejoint. Bonjour Juan, comment allez-vous? Alors, regardons ensemble ce qu'elle nous dit. Lis-le,
D'accord, donc ça c'est le verbe lire, et bien sûr qui est ici à l'impératif, mais pas tellement comme un ordre, hein, bien sûr comme un conseil. Lis-le, parce que je suis sûr que tu aimeras beaucoup. Et là c'est très intéressant, elle parle de l'éditeur du journal d'Anne Frank, si vous connaissez. Donc elle parle de l'éditeur du journal d'Anne Frank, et donc elle était en contact avec cet éditeur. Et l'éditeur a proposé à Audrey Hepburn de lire le journal d'Anne Frank. Et voilà. Donc, il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûr que tu aimeras beaucoup. Alors, on y va. On va écouter encore. Elle a quel âge dans cette interview? Elle est pas très très jeune dans cette interview. Julia pose la question. Dans la dernière partie du cours, on va avoir une interview où elle est beaucoup plus jeune et vous sentez une différence de style et une différence de maîtrise du français. Là, c'est vraiment dans les années, je pense, les années 80, fin 80, je pense. Pardon, excusez-moi, le mauvais bouton. On va écouter. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Et là, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment très, très propre. C'est vraiment très bien prononcé. On entend finalement tous les mots. Bon, elle a un petit doute avec épreuve. Elle dit preuve et puis elle se corrige. Mais vraiment, c'est très, très bien. Il m'a dit, regarde, ce sont des épreuves d'un livre que je suis en train d'éditer. Lis-le parce que je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Voilà. Allez, on continue si vous voulez bien avec le numéro 4. Le numéro 4, je vous donne le début. Le début, c'est, je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Et donc, elle parle encore du journal d'Anne Frank. Et donc, essayez de comprendre et d'écrire la suite. Allez-y. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Allez-y. Alors, B.G. Srinivas is asking, which level is this? Alors, first, B.G., but it would be nice to say bonjour. This is the way it goes normally. This is for, well, I would tend to say advance in that case, because we are working on real documents, so it's extremely challenging, and it's normal. It will be only in French, this lesson. Alors, Stella nous rejoint. Bonjour, Stella. Vous voyez effectivement que notre petite amie est avec nous et notre amie vous salue. Et oui, c'est comme ça ici. «
Allez, regardons. Gigi regarde ce que vous avez écrit également avec moi. Nous regardons. Oui. Eh oui, elle est contente. Elle cligne de l'œil, c'est un bon signe. Félicitations, c'était bien. C'est pas facile parce que là, j'avais un doute. Je me disais peut-être que ce sera trop difficile. Mais pendant des semaines, j'avais des cauchemars. Je pleurais. Donc ici, effectivement, hein, on est dans l'imparfait. J'avais, je pleurais, c'est de l'imparfait. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Alors Grace, mais si, bien sûr, mais on vous a salué, Grace. On vous a salué, tenez Grace. Bonjour, c'est parce que vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas regardé, vous avez un autre personnage qui vous a salué. Alors, on va écouter ensemble. Écoutons ensemble, eh bien, la façon dont elle le prononce. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversée. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Voilà. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversée. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Et c'est vraiment très, très bien prononcé. Les « et » qui sont très, très ouverts. Hein. « J'avais »,« je pleurais ». C'est vraiment, vraiment très, très clair. Et elle fait bien la distinction entre le « et le « est ». Et ça, c'est franchement très bien. On va écouter juste encore une fois. Je dois vous dire, Frédéric, que ça m'a bouleversé. Pendant des semaines, j'avais des cauchemars, je pleurais. Voilà, effectivement, très bien. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5, s'il vous plaît, trouvez la totalité. Allez-y. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Allez-y. Alors, Julia, ça n'est pas sa langue maternelle. Non, ça n'est pas sa langue maternelle, puisque, en fait, bah, elle a regardé son histoire, c'est vraiment très intéressant. Elle est née en Belgique, mais après, ses parents ont divorcé. Elle a été un petit peu en Angleterre, dans un internat. Et ensuite, pendant la guerre, elle était, parce que sa mère était néerlandaise, et donc elle était en Hollande. Elle était en Hollande pendant cette période-là, donc elle parle beaucoup de langues. Hein. Le français n'est pas sa langue maternelle, pas du tout. Alors, Fatih Fleur nous rejoint. Bonjour Fatih Fleur, comment ça va ? Alors voilà, voilà, donc elle nous dit « Je savais qu'il y avait des cas comme elle. » Et là, encore une fois, Gigi regarde avec moi et je crois que Gigi est très satisfaite puisque vous avez très très bien écrit. C'est vraiment bien, effectivement, n'est-ce pas Gigi ? Eh oui, eh oui, elle retourne chez elle. Alors, je savais qu'il y avait des cas comme elle. On va l'écouter parce que là, écoutez, je pense que c'était relativement clair. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, elle le prononce, mais comme on le prononce
en France ou dans les pays francophones, je savais qui avait à la place de qu'il y avait. Hein, donc je savais qui avait, mais je savais qu'il y avait. Voilà, je savais qu'il y avait des cas comme elle. Écoutons encore. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Je savais qu'il y avait des cas comme elle. Voilà. Hein, très très bien prononcé, vraiment très très clair. Un plaisir à écouter. Merci beaucoup. Alors, Eduardo nous rejoint. Bonjour Eduardo. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Connaissiez-vous Audrey Hepburn avant notre cours? Est-ce que vous connaissez? Oui, non? Écrivez-moi une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Julien, et dans le jardin du Luxembourg, vous allez porter le t-shirt Tigidou? Je ne sais pas. Je vais être honnête, je ne sais pas. Alors, regardons ensemble, regardons. Hillary qui nous dit, ben oui, je la connaissais. Grace qui nous dit, non. Ice Cubes qui dit, bonjour à... C'est votre ami, ça. Ice Cubes aime beaucoup, beaucoup la licorne. Je ne sais pas pourquoi. Elle devra expliquer un jour. Victoria Jacques qui dit, mais oui, bien sûr. Julia qui dit, oui, je la connaissais parce qu'elle est très jolie. Yesero qui dit, oui, je la connaissais avant le cours car elle est très célèbre, une vedette célèbre. Et en plus, j'ai vu le film Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé, hein, en français. Intéressant comme traduction. Grace qui nous dit, non, je ne la connaissais pas, c'est ma première fois que je la vois. Ice Cube qui dit, mais oui. Oui, bien sûr, Vincent. Juan qui dit, je ne l'avais jamais vu avant nulle part. Luciana, mais oui, bien sûr, j'aime Audrey Hepburn depuis que je suis petite. Est-ce qu'il y avait un Moon River aujourd'hui? je ne sais pas. Rihanna, oui, c'est une de mes actrices préférées et aussi l'une des plus belles femmes du monde. Olga qui nous dit, Olga, pardon, oui, Breakfast at Tiffany's est fantastique. Lynn, oui, je la connais. J'ai vu le film Breakfast at Tiffany's récemment. Un grand classique. Un grand classique. Roman qui dit, mais oui. Et Kuzbanish qui dit, oui, je l'ai connu auparavant. Cassandra, oui, je la connais pour les films classiques. Sophia X qui dit, oui, j'ai vu beaucoup de films d'elle. J'adore son goût de mode. Eh oui, un sacré style. Monica, oui, mais bien sûr, qui ne la connaît pas? Quelle femme! Cosmina, oui, je la connaissais, je l'ai vue dans plusieurs films, mais en ce moment, je me souviens d'elle dans un film Sabrina, quand elle faisait une omelette et bougeait sa main comme une ballerine pour casser des œufs.
Annabelle qui nous dit, bah oui, elle est jolie, c'est vrai qu'elle est jolie. Sally qui nous dit, oui, elle est très raffinée, eh oui. Salonie qui dit, pas du tout comme d'habitude, mais j'apprendrai plein de choses après cette leçon. Eh ben oui, c'est ça qui est formidable, hein. Olga, très bien, c'était une vedette. Ah, vous pensez pas que c'était une vedette? Ah, ça, c'est des discussions. Hein. C'est des discussions, Cheryline qui dit, mais oui, bien sûr, elle est très connue dans l'anglosphère. Allez, on continue donc avec Audrey Hepburn et donc toujours cette interview qui était vraiment très très intéressante. Je vous propose de commencer avec la première chose. La première chose, je vous donne le début. Ah, Exploring qui nous dit bonjour depuis la République dominicaine. Bonjour, Exploring Maximo Peña. Bonjour, bonjour. On espère que vous allez bien. Donc, je vous donne le début. Alors, le début sera, voici, Je voilà. savais que moi j'étais allé. Oui, je savais. Non, 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 Vincent. Vous n'avez pas vu. Non, vous n'avez pas vu. C'était trop rapide. Alors, je savais que moi, j'étais à l'extérieur. Écoutez, écoutez ce qu'elle dit. On y va. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Allez-y. Alors, James nous rejoint. Bonjour, bonjour, James Sutherland. Comment ça va? Et je vois aussi que Liliana nous rejoint. Bonjour, Liliana. Comment ça va, Liliana? Ça va bien? Alors, voilà, hein. Donc elle fait toujours référence à cette partie de la Seconde Guerre mondiale. Je savais que moi, donc j'étais à l'extérieur et qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Écoutons ensuite, alors attendez une seconde, voilà, j'y arrive. On y va, on écoute. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Alors la même chose ici, le qu'il y avait, elle le transforme en qui avait, hein, comme on le fait normalement à l'oral. D'accord? Donc qu'il y avait, je savais qui avait. Hein, écoutez bien.
Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Voilà, mais donc le reste, c'est vraiment très, 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 très bien prononcé. Et Grégory nous rejoint. Bonjour Grégory, comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien, c'est samedi. Et le samedi, eh ben c'est pas mal. Allez, si on y va, numéro 2, et là je fais très attention. Je vous donne le début, quand elle dit, et je vous donne la fin. C'est par l'arbre dehors sa fenêtre qu'elle voit dehors. Par sa fenêtre, elle a fait une petite erreur, j'ai corrigé. Même chose, hein, elle fait référence toujours à Anne Frank et dans son journal quand elle parle de quelque chose. Écoutez et écrivez les mots qui manquent. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Allez-y. Alors, Julia, est-ce que vous avez une belle huître pour saluer les gens? Mais j'ai cherché. J'ai cherché un escargot et une huître. Mais pour l'instant, je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai trouvé. Mais clairement, l'huître devra, à un moment ou à un autre, arriver dans notre cours. Alors, Gigi va regarder avec moi les choses que vous écrivez. Mais Gigi, regardez, elle est toujours très très contente. Eh oui, elle cligne de l'œil comme ça, parce que c'est une coquine. Gigi est une coquine. Allez, on y va. Regardons ensemble ce que vous deviez trouver. L'unique façon, ça vous l'avez globalement bien senti, de voir le changement des saisons. Donc ça, c'est ce que vous deviez trouver. L'unique façon de voir le changement des saisons. Écoutez bien, quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Bon, là, petite erreur, mais c'est très clair. Tout le monde comprend, donc ça n'est pas grave. Mais c'est par l'arbre qu'elle voit hein, dehors par sa fenêtre. Ce serait plus correct. Mais c'est très, très clair et magnifiquement prononcé. On va écouter ensemble. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Alors voilà, ce qui est très très important, c'est que vous remarquez que même si elle hésite un petit peu, c'est dans certaines situations, elle ne trouve pas les mots, ce qui est très important, c'est qu'elle garde son rythme. Et ça, c'est fondamental. Ne perdez pas votre rythme, ça n'est pas grave. Vous pouvez hésiter, ça c'est pas un problème, mais gardez votre rythme. Elle garde son rythme, elle hésite un petit peu, et ça c'est très très bien, pas de problème. On écoute encore. Alors Nicolas qui a quelques mètres de moi.
Qui dit je veux acheter un t-shirt. Mais oui, mon lapin, tu auras ton t-shirt. Quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre. Voilà, effectivement. Allez. Très bien. Alors, Nicole, elle commence à discuter. Et je tiens juste à vous préciser, parce que ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Nicolas. Et vous savez pourquoi? Eh bien, Nicolas a fini l'école. C'était le dernier jour aujourd'hui. Nicolas est en vacances. Eh oui. Bravo Nicolas, bravo, bravo! Voilà, Nicolas est en vacances, il a rapporté ses notes, papa était très fier, il a fait un bisou et il a dit « Bravo mon lapin !» Allez Nicolas, on va continuer quand même. Là, je vous donne la fin. Et la fin, c'est ce que je faisais aussi. D'accord? C'est ce que je faisais aussi. Écoutez, s'il vous plaît, le début. Écoutez le début. Attendez, attendez. On y va. C'est parti. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon. C'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon. C'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon. C'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon. C'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon. C'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Allez-y. Alors, Arti nous rejoint. Bonjour, bonjour Arti. Comment allez-vous, Arti? J'espère que ça va bien. Alors là, nous étions à la recherche de « et se mesurer ». Alors faites attention, hein, parce que « se mesurer », ben ça c'est le verbe, c'est la forme pronominale, hein, « se mesurer », donc « se hein, »,« se mesurer sur le mur avec un crayon ». Et se mesurer sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Donc ici, elle fait référence à sa jeunesse aussi. Allez, on va écouter encore une fois et on va voir à quel point elle prononce magnifiquement. Allez. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Vous voyez, c'est très 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 bien prononcé. Le faisait, elle le prononce très bien, c'est-à-dire, souvenez-vous, le verbe faire, toujours un petit peu compliqué pour la prononciation. Et ici, on prononce je faisais aussi. Hein. Et se mesurer sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. On l'écoute encore. Elle se mesurait sur le mur avec un crayon, c'est ce que je faisais aussi. Voilà, hein, très très bien prononcé, très bien structuré, très fluide, vraiment très agréable à écouter. Alors là, je vous donne, donc ça c'est une phrase qui est complètement différente maintenant, le contexte est différent. Écoutez bien, et surtout c'était l'expérience en Afrique, d'accord? Et surtout c'était l'expérience en Afrique et, écoutez la suite. Et surtout, c'était l'expérience
en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Allez-y. Alors, je regarde et bien sûr, Gigi regarde également. Elle regarde ce que vous avez écrit. Qu'en pensez-vous, Gigi? Oh, elle est contente, effectivement. Alors, regardons ensemble. Eh bien, là aussi, je pense que c'était relativement clair. Hein. Si nous nous habituons à son rythme, eh bien, il n'y a pas de problème parce qu'elle prononce vraiment très, très clairement. Écoutez bien. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Voilà. Alors, le premier voyage, j'entends une sorte de petit... Un peu comme si c'était premier. Mais c'est la seule chose et c'est très, très clair quand même. Et surtout, c'était l'expérience en Afrique. C'était mon premier voyage en Afrique. Voilà. Et surtout, c'était l'expérience... En Afrique, c'était mon premier voyage en Afrique. Voilà, donc vraiment, vraiment très très clair. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5 et après, c'est le feu d'artifice, bien sûr. Je vous donne la fin. Vous cherchez le début. La fin est à Hollywood quand les choses changeaient déjà. D'accord ? S'il vous plaît, écoutez, trouvez le début. On y va. Pardon. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood. Quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Allez-y. Alors, je vois que Yulia a envie de cuisiner. Elle a envie de cuisiner parce qu'elle n'a pas entendu « au fond », elle a entendu « au four ». On peut faire des choses formidables. Le four, c'est incroyable. On peut cuisiner des choses magnifiques dans un bon four. Alors ici, ça n'était pas malheureusement, Yulia, je suis désolé, ça n'est pas au four, mais c'est au fond. Au fond, je suis venu au cinéma
Et à Hollywood, quand les choses... Alors là, j'ai fait une petite rectification parce que déjà doit venir après le verbe. Elle avait juste mis déjà avant changeait. C'est pas un problème, on comprend, mais correctement, donc on devrait le mettre après. Au fond, je suis venu au cinéma et à Hollywood quand les choses changeaient déjà. D'accord? Allez, on va écouter eh bien, la façon dont elle prononce. On y va ensemble. Allez. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Voyez, donc c'est juste la position du déjà, mais c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème. Le reste, c'est très 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 bien prononcé et c'est vraiment bien structuré. Écoutons. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Sophia X qui dit, mais moi aussi j'ai entendu au four. C'est parce que vous avez envie de cuisiner, Sophia. Vous avez envie de cuisiner. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Alors, nous sommes d'accord hein, que pour faire plaisir à Julia et à Sofia, attention, prononçons les deux. Au fond, qui est nasal, hein, fond, 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 au four, au U, ou, au fond, au four, r. Et en plus, au four, il y a le R final. Alors qu'au fond, on n'entend pas le D final. D'accord? Au fond, au four. Donc on va écouter maintenant si c'est au fond ou au four. Au fond, je suis venue au cinéma et à Hollywood quand les choses déjà changeaient. Voilà, bon, pour moi, c'est clair que c'est au fond. Mais bon, en tout cas, on aura fait une petite explication là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, regardons le compteur et là, hop! Merci, merci. Il danse pour vous dire merci. Eh oui, quel danseur formidable. Allez, on y va, merci. Cassandra qui avait entendu au fou. Allez, on continue avec le petit prince. Le petit prince, souvenez-vous, nous ne nous intéressons uniquement, seulement aux verbes. Hein. C'est juste les verbes qui nous intéressent dans cet exercice-là. Et on va commencer eh bien, avec ça. On continue. Hein, donc c'est 41. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Écrivez les verbes, s'il vous plaît.
Alors, j'y regarde un petit peu ce que vous avez écrit et apparemment, tout est formidable. Très bien, effectivement, nous étions à la recherche d'abord du verbe être qui est au présent, EST, troisième personne du singulier. Encore une fois, le verbe être au présent, EST, troisième personne du singulier. Et finalement, hein, on ne va pas répéter les derniers, mais le verbe voler. Le verbe voler qui est au présent, vol, V. O-L-E, troisième personne du singulier. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Numéro 42. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. Écrivez les verbes qui manquent. Allez, si on regarde ensemble, première chose c'est le verbe être qui est à l'imparfait. Première personne du singulier j'étais, E accent aigu, T-A-I-S. Ensuite c'est le verbe apprendre qui est à l'infinitif, A-P-P-R-E-N-D-R-E. Le verbe voler qui est à l'imparfait, première personne du singulier, volait, V-O-L-A-I-S. Alors ensuite, intéressant, c'est le verbe s'écrier, d'accord ? Donc verbe pronominal, hein ? S'écrier, verbe régulier du premier groupe. Ici, il est encore une fois au passé simple, il s'écria, E accent aigu, C-R-I. Ah. Tu es tombé, c'est le verbe tomber, c'est le verbe tomber qui est au passé composé. Tu es tombé, donc tombé avec l'auxiliaire être, es. Pour tu, on est d'accord. Tombé que vous mettez ici, c'est le participe passé, T-O-M-B-E, accent aigu, c'est au masculin parce que, eh bien, l'aviateur est un homme ici. Oui, fis-je modestement. Souvenez-vous, c'est le verbe faire hein, ici. Hein. Donc faire, F-A-I-R-E, ici c'est le passé simple. Et donc, première personne, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Ça c'est le passé simple, F-I-S. Oui, j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, fis-je modestement. » Allez, continuons avec hop là, la partie 43. « Ah, ça c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire
qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Écrivez les verbes, s'il vous plaît. Alors, Stardust qui nous quitte, ne soyez pas stressé, Stardust. Regardez, il vous fait coucou, au revoir Stardust, relaxez-vous, revenez la semaine prochaine. Allez, allez, soyez courageuse. Allez, on regarde les choses qui manquaient. Donc le premier, c'est le verbe être au présent. Troisième personne du singulier, EST, ça c'est clair. Ensuite, c'est le verbe avoir qui est au passé simple. Et ici, la troisième personne du singulier, il eut, puisque c'est le petit prince, hein, EUT. Ensuite, c'est le verbe irriter. Encore une fois, irriter au passé simple, irrita. Troisième personne du singulier, I-R-R-I-T-A. Le verbe désirer, qui là est au présent, je désire, D-E accent aigu, S-I-R-E. Et finalement, prenne, je désire que, hop, vous mettez un magnifique subjonctif. Subjonctif présent du verbe prendre, troisième personne du singulier, on prennent, ils, elles, on, prennent, P-R-E-N-N-E. Donc c'est le subjonctif présent. Ah, c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Numéro 44, ça continue. Puis il ajouta... Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? Puis il ajouta : Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? Écrivez les verbes, s'il vous plaît. Julia, et oui, effectivement, je l'ai dit, hein, c'était à voir au passé simple. J'eus, tu eus, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Ça, c'est le passé simple. Allez, regardons ce que vous avez écrit et je demande bien sûr à mon assistante qui est très joyeuse, très souriante et très polie, c'est Gigi ma girafe. Alors regardons ensemble la première chose, et bien c'était le verbe ajouter. Le verbe ajouter qui est au passé simple, troisième personne du singulier, il ajouta, A-J-O-U-T-A. Ensuite, c'est le verbe venir qui est au présent ici. Tu viens, V-I-E-N-S. Et finalement, eh bien, c'est le verbe être au présent et qui est à la deuxième personne du singulier. Tu es, E-S,
es-tu bien sûr avec l'inversion. Puis il ajouta, alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Et on va finir avec le numéro 45 pour aujourd'hui. Hein. J'entrevis aussitôt une lueur. Dans le mystère de sa présence, et j'interrogeais brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeais brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Allez-y. Alors, Gabriella nous rejoint. Bonjour, bonjour Gabriella. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Allez, on regarde ensemble les trois verbes qui manquaient ici. La première chose, c'est le verbe entrevoir. Entrevoir, et qui ici, encore une fois, est au passé simple. J'entrevis, donc première personne du singulier. Entrevoir, c'est le verbe. Ensuite, deuxième verbe, c'est le verbe interroger. Interroger, même chose ici, c'est le passé simple. J'interrogeais, première personne du singulier. Et finalement, c'est le verbe venir, oui, hein, qui est au présent. Deuxième personne du singulier, tu viens. J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence. Et j'interrogeais brusquement, tu viens donc d'une autre planète? Merci beaucoup. Alors, la personne du jour, et oui, c'est toujours Audrey Hepburn. Et on va continuer avec quelques phrases que nous allons essayer de décrypter ensemble. Ici, je vous donne le début. Oui, j'ai vu des grandes premières. Et je vous donne la fin des dîners extraordinaires. D'accord? Trouvez ce qu'il y a entre les deux. Allez-y, bon courage. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Allez-y. Alors, Alex Simon qui est là. Bonjour Alex Simon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien.
Allez, on regarde ensemble. Oui, hein, vous l'avez bien compris. Hein, donc, j'ai vu des très belles maisons. Hein. Donc, clairement, ici, c'est du passé composé. On va écouter pour voir si c'est plus clair. Donc, comme d'habitude, lisez, écoutez. Et maintenant, je pense qu'on commence à être assez habitué à son rythme et à sa façon de parler. Allez. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Vous voyez, hein, c'est très très clairement prononcé, c'est vraiment très très bien prononcé, et c'est vraiment clair, c'est vraiment très clair. Écoutons encore. Oui, j'ai vu des grandes premières, j'ai vu des très belles maisons, des dîners extraordinaires. Voilà. Allez, on continue avec la deuxième chose. La deuxième chose, la voici. Je vous donne le début. Le début, c'est « mais finalement » et la fin « chez moi avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants, surtout ». On y va, écoutez et écrivez ce qui manque. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Voilà, allez-y s'il vous plaît. Alors, regardons ça ensemble. Et effectivement, je vais demander, bien sûr, encore une fois à mon assistant de regarder, d'examiner eh bien, ce que vous avez écrit. Qu'en pense-t-il? Tout va bien? Ah oui, il a l'air d'être effectivement très très content. Alors, regardons ensemble. Et ici, elle nous dit « Je vivais à l'époque comme je vis maintenant ». Je vivais à l'époque comme je vis maintenant. On va écouter ce, ou plutôt comment elle le prononce. Allez, on y va. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. Voilà, hein, donc très bien prononcé, elle fait la liaison, mes êtres chers, elle fait la deuxième liaison, mes enfants, tout est vraiment, vraiment très, très clair. On y va. Mais finalement, je vivais à l'époque comme je vis maintenant, chez moi, avec mes êtres chers, mes chiens, mes enfants surtout. D'accord, effectivement. Alors, Chérilyn qui demande est-ce que de devient des quand il y a un mot comme très entre l'article à définir, l'adjectif qui ferait. Oui, grammaticalement, oui. Dans les interviews, comme ça, même les Français, même les francophones, c'est pas systématique. Ça n'est pas systématique, mais normalement, si vous écrivez.
En général, on devrait dire de très belles maisons. Si vous faites référence à ça, de très belles maisons, oui. Mais très facilement, on dit des très belles maisons. Donc la règle, c'est de, mais dans la pratique, tout est possible. Allez, on y va et on continue avec le numéro 3. Et le numéro 3, eh bien, le voici. Je vous donne la fin. Et la fin, c'est avec le climat, surtout de la Californie. Avec le climat, surtout de la Californie. Écoutez et écrivez le début, s'il vous plaît. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Allez-y. Alors, je vois Jonathan Williams qui nous rejoint. Bonjour, bonjour Jonathan, comment ça va? Ice Cube qui fait des comparaisons et qui pense que les liaisons sont plus sexy. Alors là, c'est très intéressant effectivement parce que voilà, Ice Cube fait une remarque qui est une remarque intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va écouter, donc nous cherchions et c'était une vie très vrai et très agréable. Mais effectivement, elle ne fait pas la liaison. Pourquoi elle ne fait pas la liaison? Parce qu'elle cherche. Elle cherche son mot. Elle n'est pas sûre. Et donc, bien sûr, quand vous faites une pause entre les mots, eh bien, ça n'est pas possible de faire une liaison. Ça n'est pas possible de dire très, très agréable. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas de liaison. Et là, c'est juste pour rejoindre Sherilyn, c'est exactement le même concept. Comme ici, elle parle et c'est quelque chose qui est naturel, qui n'est pas préparé, eh bien les règles peuvent être, ne sont pas toujours respectées. Donc oui, on devrait dire très agréable, mais elle réfléchit très très agréable. Écoutez. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec. Voilà, c'est pour ça qu'elle ne fait pas la liaison parce qu'elle elle hésite. Dans la première partie, c'était une vie, elle fait la liaison parce qu'elle fait les liaisons quand même, hein, Audrey. Donc on écoute encore une fois. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Et c'était une vie très vraie, très agréable avec le climat surtout de la Californie. Il y a une toute petite chose qui est assez intéressante parce que elle n'a pas fait vraiment ces choses-là avant. Le climat, le E, il n'est pas très très, il n'est pas E, il est un tout petit peu plus, mais c'est vraiment pour chercher les détails. Écoutez. Et c'était une vie très vraie, très,
très agréable avec le climat, surtout de la Californie. Voilà, mais parce que c'est franchement, c'est très très bien prononcé. Julia qui dit, la conclusion, ce n'est pas celle-ci de faire une pause. Ah, oh, vous faites les conclusions que vous voulez. Allez, numéro 4. Numéro 4. Je vous donne le début. Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et je vous donne la fin. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Allez, on écoute, on écoute, on écoute, et vous écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille, et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille, et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles, ou... Allez-y. Alors, Chériline qui dit peut-être que l'anglais n'est pas sexy. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous, je vous avais présenté cette étude, cette recherche qui était très intéressante sur la sonorité des accents et on associait à différents sentiments. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Allez, Gigi va regarder vos réponses. Qu'en pense-t-elle, Gigi ? Et Gigi, elle ne se trompe jamais. Oh, elle est d'accord. Elle est d'accord, donc ça veut dire que c'est bien. Nous étions donc ici, hein, nous cherchions. Tout le monde faisait quelque chose. Hein. Tout le monde faisait quelque chose. Alors écoutez, parce que ça, c'était assez intéressant. Et à mon avis, assez bien prononcé, le quelque chose était assez intéressant. On l'écoute. Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles. Ou... Ouais, une toute petite chose, j'ai l'impression. J'ai l'impression quand j'écoute qu'elle ne prononce pas toute mon enfance. On avait vu ça. Ça fait partie des erreurs assez classiques, les erreurs de genre. Est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est féminin? Mais finalement, ça n'est pas grave. Bien sûr, elle devrait dire toute, parce que c'est féminin. Elle dit tout. Mais c'est pas grave, je le comprends. Je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment une erreur très grande. Et je continue, j'écoute, j'écoute. Ça, c'est important. Même si vous avez un doute avec le genre, ça n'est pas grave. Dans la plupart des cas, ça ne pose aucun problème. Écoutez, donc normalement, tout, mais elle prononce tout. On y va. Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles. Ou... Voilà, c'est très très clair, c'est vraiment très très bien prononcé encore une fois. Même s'il y a cette petite erreur de genre, ça n'est pas grave du tout. Pendant toute mon enfance, j'ai connu ma famille et tout le monde faisait quelque chose. Ou pour les pauvres, ou pour les aveugles. Ou... Voilà. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5, je vous donne le début, je vous dis... Je vous donne un mot au milieu, quelquefois, et vous devez trouver tout le reste. Bon courage. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments.
Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Allez-y. Mais que se passe-t-il, Jonathan? Alors ça, ben oui. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Le feu d'artifice, c'est pour vous. Et lui aussi. Merci beaucoup, Jonathan. C'est très, très, très gentil. C'est très gentil. Je vous remercie. Allez, on regarde ensemble. Alors là, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile, mais on peut y arriver. Regardez. Je suis même un peu embarrassé. Ça, c'était la première chose. On va juste se concentrer là-dessus d'abord. Je suis même un peu embarrassé. Écoutons ensemble. Je vous dis, je suis même un peu embarrassé. Voilà, là c'est assez clair. Bien sûr, le quelquefois, il arrive très rapidement. On va juste se concentrer. Je vous dis, je suis même un peu embarrassé. On y retourne. Attendez, hop là, écoutez. Je vous dis, je suis même un peu embarrassé. Voilà. Je suis même un peu embarrassé. Le rythme est assez rapide, mais c'est quand même pas mal du tout. On y va. La deuxième partie. Quand on me fait des compliments, hein, quand on me fait des compliments, écoutez la totalité maintenant. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Vous voyez, elle prononce bien tout, hein, quand on me fait des compliments, c'est vraiment, vraiment très clair. Regardez, on va le faire tourner deux fois, hein, écoutez et lisez en même temps. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Je vous dis, je suis même un peu embarrassée quelquefois quand on me fait des compliments. Voilà, l'intonation est très très sympathique, c'est vraiment très très agréable à écouter. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est vraiment très très agréable et très fluide. C'est vraiment vraiment sympathique. Allez, je vous remercie. Alors, je vais vous demander une toute petite seconde, puisque apparemment Nicolas a quelque chose à me dire. Une petite minute. Thank you.
Eh bien, Nicolas voulait faire coucou. Tu fais coucou? Allez. Eh oui, un garçon en vacances. Un garçon en vacances, les vacances d'été, c'est formidable. La dictée de nombres, c'est un peu moins formidable. Mais c'est nécessaire. Allez, on y va. Numéro 1. Bien sûr, vous aurez uniquement un chiffre. Attention les yeux. 5. Allez, on regarde ensemble. Oui, effectivement, très très bien. Donc ça, c'était 5. Hein. 5, c'était un petit peu pour se préparer psychologiquement. C'est relativement facile. On continue avec le deuxième. Et le deuxième, nous aurons bien sûr deux chiffres. 52. Alors, pour le moment, tout va très très bien, effectivement, 52, pas de problème. Donc, comme vous le voyez ici, hein, 5 et 2, 52, pour l'instant, c'est parfait. On continue, numéro 3, 3 chiffres, 403. Allez, 403, oui, c'est très très bien, effectivement, 403, 403. Continuons avec le numéro 4, quatre chiffres, et on y va, attention, 7771. Alors, nous le savons, Annabelle est très généreuse, mais là, et on avait dit dans cet exercice-là, il ne faut pas être trop généreuse. Regardez, alors vous avez mis 91, mais en fait, c'était 71. Regardez, 7771, et ça n'était pas 91, mais 7771, 7, 7, 7, 1. Et qui dit « Oups, c'est pas grave hein. !» Regardez, Jonathan, il a la technique 7XXX, tranquille. Ça marche aussi. Allez, on continue avec le numéro 5. Numéro 5, 5 chiffres. 36 940. Allez-y.
Et oui, c'est Cosmina qui est encore la première. Et Cosmina, elle a dit qu'elle l'aimait bien. Donc Cosmina, regardez, regardez le petit nounours. Vous fait coucou Cosmina. Vous êtes une championne. Bravo. Et oui, c'était 36 943 6 9 4 0. 36 940. 36 940. On continue avec le numéro 6. Le numéro 6, eh bien, le voici, le voilà. 6 chiffres. 215 829. 215 829. Allez-y. Alors là, là, on remarque que tout le monde est très très concentré. Et je dis bravo, encore une fois, on va demander à Gigi ce qu'elle en pense, mais je pense qu'elle est tout à fait satisfaite, c'est formidable. 215 000 2 1 5, 829 8 2 9, 215 000. 829. Et on finit avec le numéro 7. Le numéro 7, 7 chiffres. Et bien sûr, ça veut dire le million. Attention. 8 881 788. 8 881 788. Allez-y, s'il vous plaît. Et oui, Hillary qui est en première position et Hillary, elle aura droit à la licorne. Bravo Hillary, félicitations. C'est très très bien. C'est bien de voir l'évolution comme ça. Bravo. Tout le monde ben, le trouve plus ou moins. C'est pas toujours très facile, mais ça n'est pas grave. Ne désespérez pas. Si vous faites des erreurs, eh bien, vous ferez mieux la prochaine fois et c'est comme ça que vous allez progresser. 8 millions, ça c'est clair. 881 000. Ça, 8, 8, 1. 788. 7, 8, 8. La totalité. Attention, 8 millions, 800. 81 788. Et ben voilà. Et bien voilà, je dis bravo. Alors Lynn, non, pas encore, c'est le 16. On est quelle date? Non, pas tout de suite. ça arrive, tranquille. Yeah.
Et nous retrouvons la personne du jour. Et la personne du jour, c'est Audrey Hepburn. Et oui, effectivement, Julia avait dit « Ah, mais alors vous avez passé un bon moment avec Audrey en préparant le cours. » Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'était très agréable. Un petit peu complexe à couper, mais très agréable. La première chose, eh bien la voici. Regardez, je vous donne le début. « Même ma mère... » Quand elle était déjà très âgée, d'accord ? Donc, vous avez le début. Je vous demande de me trouver, comme d'habitude, le reste. Allez-y. Même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Allez, merci, allez-y. Je vois que Julia qui dit « Oh, mais je vais dire que c'est un meilleur découpage, très raffiné !» J'ai pris des petits ciseaux pour découper. Alors Richard Benavides, bonjour, comment ça va Richard? Est-ce que vous allez bien? Voilà, et Gigi, notre assistante, regarde vos réponses. Et pour l'instant, elle a l'air très, très, très satisfaite, et oui. Alors, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Hein, c'est ce que nous cherchions. Vous l'avez globalement très bien entendu, donc félicitations. Travaillait, ça doit être ici à l'imparfait. Elle travaillait. On va écouter maintenant, eh bien... Comment elle le prononce? Lisez et écoutez en même temps. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Et même ma mère, quand elle était déjà très âgée, elle travaillait avec les vieux, pour les vieux à Londres. Voilà, très très bien prononcé, encore une fois, très très clair et vraiment très agréablement prononcé, je dois dire. Numéro 2, je vous donne la fin de vétéran du Vietnam, je vous donne le milieu, elle, cherchez eh bien le reste. On y va, attention, c'est parti. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Allez-y. Thank you.
Oui, c'est très très bien effectivement. Alors ce cas là, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et de finalement très instructif pour vous. Regardez, vous voyez le début quand elle était à San Francisco. Elle travaillait dans un hôpital. Et alors, elle ne sait pas. Apparemment, elle ne sait pas comment dire veterans en français. Et elle dit veterans, et c'est ça le concept. N'hésitez pas, si vous avez une absence, si vous ne savez pas, eh bien, vous pouvez faire comme elle. Vous mettez en anglais, et vous avez une chance sur, on ne sait pas combien, d'avoir le bon mot. Puisque, effectivement, veterans, eh bien, c'est la même chose en français, c'est vétéran, vétéran. Hein. Donc, on le prononce vétéran, effectivement, mais on l'écrit, eh bien, presque de la même façon. Regardons et écoutons ensemble. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Vous voyez, c'est ça le concept. Le concept, c'est de garder toujours ce côté fluide. Et donc, elle ne s'arrête pas, elle ne demande pas comment vous dites, etc. Elle met juste le mot veterans et elle continue. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Parce que ça marche pas toujours, mais après, c'est pas grave. On y va. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Voilà. Alors la dernière petite chose peut-être, souvenez-vous que normalement on devrait dire du Vietnam, hein, de le Vietnam. Vietnam est un pays qui est un pays masculin. Au Vietnam, du Vietnam. Donc elle devrait dire du Vietnam, elle dit de Vietnam. C'est la même chose, ça n'est pas problématique du tout. Pour moi, bien sûr que je pense que logiquement, peut-être c'est dû, mais je ne fais vraiment pas attention. Donc c'est très très fluide et ça, c'est fondamental. Quand elle était à San Francisco, elle travaillait dans un hôpital de veterans de Vietnam. Voilà. Allez, on continue avec, eh bien, le numéro 3. Je vous donne le début. Le début, c'est d'abord, je pense, la chose la plus importante. Et de comprendre et d'aimer, écrivez la fin. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre. Et de aimer, d'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer, d'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer, d'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer. D'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer. D'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. Allez-y. Alors ici, eh bien, il y a cette histoire de ses, hein, ses enfants. Alors, on pourrait effectivement entendre le possessif, c'est-à-dire ses enfants, les enfants qui sont à elle. Mais en fait, quand on réfléchit bien à la structure de la phrase et au sens,
d'aimer ses enfants comme les siens. Ça ne peut pas vraiment, vraiment être ici le possessif, mais plutôt le démonstratif. Donc, d'aimer ses enfants, les enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. D'accord ? Ici, les siens, c'est le pronom possessif, on est d'accord ? Donc, d'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. On va écouter encore une fois. Alors, ce qu'elle dit et comment elle le prononce. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre. Alors, ici, vous remarquez que quand elle fait le superlatif, elle dit la chose plus importante. Donc, elle ne met pas le « là ». Même chose, petite erreur, mais ça n'est vraiment, vraiment pas grave, puisque ça coule et on avance. La chose la plus importante, elle oublie le « là », mais ça n'est pas grave. On écoute encore une fois. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer. Alors ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez que « est de aimer ». Alors bien sûr, normalement, on doit dire « d'aimer ». Et écoutez, elle corrige après, parce qu'elle prononce « d'aimer ». Donc ça, c'est très intelligent, hein, « de aimer ». D'aimer, elle continue. Ça, c'est très, très intéressant. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer. D'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. Vous voyez. Donc là, par exemple, de aimer, et après, elle fait la correction et ça passe. Aucun problème. Hein. D'abord, je pense, la chose la plus importante est de comprendre et d'aimer. D'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. On va écouter encore une fois. D'abord, je pense, la chose plus importante est de comprendre et de aimer. D'aimer ses enfants qu'elle voit à la télévision comme les siens. Voilà. Alors ça, c'est très, très important parce qu'encore une fois, ça montre que ça n'est pas grave de faire des erreurs. Parce qu'en général, ça passe. Il ne faut pas surtout s'arrêter et il ne faut pas se stresser avec le fait de faire des erreurs. Ça ne pose en général aucun problème. Alors ici, je vous donne le début. Le début, c'est « et si elle a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez parce que vous savez... » Allez, écoutez et notez les choses que vous entendez. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Allez-y. Alors ici, en fait, elle nous dit « avec très peu d'argent, on fait beaucoup ».« Avec très peu d'argent, on fait beaucoup ». Alors, Gigi est en train de regarder tranquillement ce que vous avez écrit. Et qu'est-ce qu'elle dit, Gigi ? Et bien sûr, Gigi apprécie votre participation. Le petit clin d'œil pour dire que c'est très bien. Bravo à tout le monde. Donc, « avec très peu d'argent, on fait beaucoup ». On va écouter encore une fois. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez.
Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Voilà. Hein, donc, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Et s'il y a l'opportunité de donner un franc, c'est déjà assez. Parce que vous savez, avec très peu d'argent, on fait beaucoup. Voilà. Donc, elle faisait référence à la personne qui était une femme dans l'interview. Donc, elle dit « elle a », même si le « elle » n'est pas très très clair. Mais clairement, elle faisait référence à une femme. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. Numéro 5, je vous donne le début. Personne réalise que... J'ai fait la petite correction avec le « ne », mais bon, ça n'est pas grave. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. On va écouter ce qu'elle nous dit. Essayez d'écrire la totalité, enfin la totalité de ce qui manque. Merci. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Allez-y. Allez, c'est Cheryline qui est en première position et Cheryline, elle a le droit aux félicitations de la licorne. Alors, regardons ensemble, et ici, nous étions à la recherche de « les enfants ne sont pas protégés », donc là, on doit le mettre au pluriel, « par la loi ».« Les enfants ne sont pas protégés par la loi ». Et ça, vous l'avez bien senti. Ice Cube qui adore la licorne, eh ben, allez, ça c'est pour vous. Juste par plaisir, parce que c'est vrai, elle est très jolie cette licorne. Allez, on va écouter ensemble ce qu'elle nous dit à ce sujet. Écoutons et lisons. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Alors le « que », personne ne réalise « que », il est un tout petit peu comme un « qui » quand même, mais ça c'est pas grave non plus, c'est la même chose, ça n'est pas grave. Écoutez bien. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Voilà. J'ai un doute, est-ce que c'était « il y a les droits de l'homme » ou « le droit de l'homme » ? J'aurais eu tendance à mettre « les », mais j'avais l'impression d'entendre « le ». On écoute. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Et ça, c'est mystérieux. Hein. C'est mystérieux. Personnellement, j'aurais dit « il y a les droits de l'homme », mais j'entends « le droit de l'homme ». Donc, je ne sais pas. J'ai un doute. Hein. On écoute encore. Personne réalise que les enfants ne sont pas protégés par la loi. Il y a le droit de l'homme, mais pas des enfants. Oui, j'entends le droit de l'homme. Hein. Personnellement, je dirais les droits de l'homme, mais c'est pareil, c'est vraiment, vraiment des détails. Hein. Alors, effectivement, bah, c'était bien, voilà. Merci beaucoup. On continue. Personne. Alors, Gisèle nous rejoint. Bonjour Gisèle, comment ça va? Est-ce que vous allez bien Gisèle? Ça fait plaisir de vous voir et je vois aussi que, est-ce que c'est Nadja? Nadja nous rejoint. Coucou Nadja, comment ça va? Vous êtes un professeur merveilleux, mais non, vous êtes probablement une étudiante merveilleuse. Allez, on y va.
Allez, à vous la parole. Comme d'habitude, hein, cette semaine, la semaine dernière, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la façon dont elle parle. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile de la comprendre? Et pourquoi? S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase. Est-ce que c'est difficile de la comprendre? Oui? Non? Pourquoi? Allez-y. Alors, Rihanna qui nous dit, elle parle très clairement pour la plupart, d'accord. Yesero qui dit, j'aime la façon dont elle parle, elle est géniale. Yulia qui dit, elle parle comme une princesse, très propre, pas difficile de la comprendre. Grace qui dit, non, ce n'est pas difficile parce qu'elle prononce très clairement. Cherylyn qui est d'accord aussi et qui nous dit, ben oui, hein, elle parle très clairement, ça n'est pas difficile de la comprendre. Ekous Vanish qui nous rejoint, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. Ekous Vanish, coucou, comment ça va? Ekous Vanish, est-ce que la vie est belle? Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre et je l'écoute très clairement. Evita qui nous dit merci, c'est ma première fois. Evita, si c'est votre première fois, Evita, eh bien, Evita, c'est pour vous. Bienvenue. Bienvenue, Evita. Voilà, bienvenue Evita dans notre cours. Participez, même si c'est la fin, mais la semaine prochaine, ça va continuer. Omar, je crois qu'elle parlait très clairement et c'est très agréable à écouter. Alberto, même si elle parle vite, c'est facile de la comprendre, elle prononce très bien. Olga qui dit non car elle parle très bien, et ben voilà. Annabelle qui nous dit non car elle parle comme si elle n'était pas pressée. Et c'est ça qui est important dans la vie. Il ne faut pas être toujours pressé. Hillary, c'est difficile quelquefois. Bah oui, oui, oui. Mais globalement, je trouve que Hillary, c'était bien pour vous, non? Ice Cubes, c'était facile, comme Cosmina a dit qu'elle mangeait Ilia. Ah, ben c'était... Qui est-ce qui savonnait? Quelqu'un savonnait? Elle mange! Ram, ram! Alice, j'adore vos vidéos. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir. Bonjour Alice, comment ça va? Gisèle qui dit, je comprends seulement une partie. C'est normal, Gisèle, c'est normal. Sally, elle est assez claire, mais mon français ne l'est pas. Ben, c'est pas grave. Petit à petit. Rowan, honnêtement, il faut que je m'entraîne beaucoup pour améliorer ma compréhension auditive, et même avec l'anglais. Mais c'est pas grave, c'est juste une pratique, hein. Il faut s'entraîner. Salonie, aujourd'hui je suis fatiguée et j'ai faim, donc je pense que je trouve ça difficile, c'est normal. Il faut manger, Salonie, il faut manger. Luciana, non, j'ai aimé écouter Madame Hepburn, elle était très élégante, merci. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Luciana, lundi, Patrick Bruel. Cosmina, je ne trouve pas très difficile la façon dont Audrey Hepburn parle. Il y a bien sûr quelques particularités de prononciation, mais ça c'est valable pour chacun d'entre nous.
Oui. Arti qui dit, ça n'est pas difficile. Eh ben voilà, c'est formidable. Fatima, j'ai trouvé qu'il était assez facile de comprendre les mots. Eh ben voilà. Lynn qui nous dit, je l'ai trouvé plus facile que les autres car elle parlait plus lentement et clairement. Bah oui. Nadja qui dit, j'adore, je comprends tout ce que vous dites. Monica, à mon avis, c'est facile parce qu'elle parle plus doucement et grâce à sa prononciation, j'ai moins de difficultés et d'autres fois avec d'autres personnes. C'est normal, ouais. Ensuite, Evita qui nous dit j'adore Audrey, elle est très élégante. Eh oui, elle est élégante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Beaumarlot, ah, vous faites les exercices encore. Sifiway qui nous dit salut. Ah ben salut, mais là, bonjour, Sifiway, mais c'est la fin. Malheureusement pour vous, c'est la fin. Et Victoria qui me dit, Victoria Jacques, Vincent, your birthday is coming up. Oui, on n'est pas obligé d'en parler tout de suite. C'est des mauvaises choses, ça. Allez, nous allons, si vous êtes à Paris, si vous voulez prendre un café, ou prendre un verre, ou marcher, ou tout simplement pique-niquer, le 11 juillet, à 13h, dans le jardin du Luxembourg, vous voyez la flèche qui clignote, je serai là. Si vous voulez que nous nous rencontrions, eh ben c'est possible. Voilà, on a toujours été en ligne. Eh bien, je suis une personne normale, je ne suis pas toujours dans un écran. Je suis aussi dans la vraie vie. Donc, si vous voulez prendre un café et discuter, c'est l'occasion le 11 juillet à 13h dans le jardin du Luxembourg, un jardin que j'aime beaucoup. Et puis, n'oubliez pas cette chose très très importante. Il suffit d'un baiser pour apprendre l'amour. Je le répète parce que c'est vrai. Il suffit d'un baiser pour apprendre l'amour. Merci beaucoup, bon week-end. Demain, on se repose et puis on se retrouve lundi. Merci, au revoir.